Vous connaissez le bingo ? Voici la version 2.0. Plus de boules, mais des cartes à piocher. Une ligne complétée équivaut à un nombre de points. Objectif, obtenir le plus haut score. L'idée, c'était vraiment de réunir, et non seulement des âges très différents, mais des niveaux de jeu très différents autour de cette mécanique-là. Donc l'avantage, c'est vraiment ça, c'est de parler à toutes les populations, de pouvoir mettre tout le monde autour de la table. Jeux de société, jeux de construction ou encore jeux de rôle, le festival est un lieu de rencontre et d'échange pour les professionnels. On organise un festival de jeux une fois par an en Bourgogne. Et donc nous, on vient à Cannes pour rencontrer des éditeurs et des distributeurs pour créer des animations, avoir des lots, obtenir des goodies. On est plusieurs boutiques et nous, l'idée, ça va être de découvrir les nouveautés. Ça va être aussi de négocier nos prix commerce, etc. avec nos commerciaux. Et puis surtout, découvrir tout ce qui va arriver cette année, quoi. Avec plus de 80 000 visiteurs l'année précédente, le festival n'a pas eu d'autre choix que de s'agrandir. C'est le village du Festival International des Jeux avec plus de 15 animations sur le parvis, que ce soit un tipi intimiste avec des conteuses, que ce soit une cage de MMA derrière moi transformée pour l'occasion en quizboxing, et puis 4 grandes structures sur la plage afin de pouvoir jouer. Dès ce vendredi et ce jusqu'à dimanche soir, le Festival International des Jeux ouvre ses portes au public, de quoi ravir les petits et les grands.